18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions tous à suivre cette tranche Kinshasa. Direct, Willy Bolio, député national, pour parler de la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que la crédibilité du processus électoral. Il sera des nôtres. L'UDPS est-elle prête à assumer son bilan? Le bilan, ça sera en 2023. Trésor Mwamba, il est cadre de l'UDPS. Politique, les jeunes sont-ils? Sont-ils des marchepieds des hommes politiques similaires Kanda? Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa direct. Déjà, de l'autre côté, nous avons Bedine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bedine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Deux morts et plusieurs dégâts matériels, c'est le bilan d'un incendie qui s'est déclaré ce jeudi au marché central de Dibindi sur l'avenue de l'université à Mbujimayi dans le Kasaï oriental. 47e édition du forum Ambrosetti sur l'économie mondiale à Milan. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, séjourne en Italie depuis hier pour participer à cette rencontre. Le président congolais sera également reçu par son homologue italien, Sergio Mattarella. En dehors de nos frontières aux États-Unis d'Amérique, au moins 13 personnes sont mortes dans les inondations survenues dans la nuit de mercredi à ce jeudi 2 septembre à New York et dans sa région. La ville, comme une partie du nord-est de ce pays, subit les pluies torrentielles de la tempête Ida. Les métros new-yorkais ont dû être suspendus et l'état d'urgence déclaré. Revenons au pays pour parler éliminatoire mondial Qatar 2022. Les Léopards de la RDC sont tenus en échec ce jeudi à Lubumbashi par les Taifa Stars de la Tanzanie en match comptant pour la première journée. Dans ce match, les Léopards avaient ouvert le score en premier avant de voir la Tanzanie égaliser à 9 minutes de la pause. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Gloria Mbouya. Entre-temps, je vous laisse l'antenne avec Jean-David Kilo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Ça va, merci à toi, Bedrine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Tout de suite, Willy Bolio pour parler de la désignation des animateurs de la scène. République démocratique du Congo. Le fleuve coule derrière la maison, mais l'eau n'y jaillit pas des robinets et seuls 30% des populations a accès à l'eau potable. À Kinshasa, comme dans les restes de provinces de la RDC, des familles entières sont exposées à l'insécurité de tout genre, à la recherche de l'eau potable. Malgré son immense potentiel hydroélectrique avec ses barrages puissants, plus de 100 000 MW, soit 13% des réserves mondiales, la fourniture en électricité contraste gravement avec les réalités locales. Le célèbre barrage d'Inga fournit l'électricité aux États voisins, mais la population croupit dans le noir. Coupures intempestives, délestages, perturbations inquiétantes tant pour les ménages que pour les opérateurs économiques, pour ne pas parler des industries. Encore un paradoxe criant. Les gouvernements se succèdent, mais les difficultés dans la desserte en eau potable et électricité demeurent. 6 mois encore, tout le monde est en train de faire un peu de courant. Si vous vivez dans les conditions, vous avez un courant, vous avez un bing. Vous avez un souk, vous avez un âge, vous avez un. C'est justement à ce propos que plusieurs points d'interrogation cristallisent. La Régie des eaux et la Société nationale de l'électricité sont-elles limitées pour relever les défis socio-économiques? Faut-il libéraliser ce secteur pour favoriser un partenariat gagnant-gagnant? Le ministère de l'Énergie a-t-il véritablement les moyens nécessaires de sa politique? Par ailleurs, les difficultés sont-elles liées aux moyens, aux réformes, au management, à la tarification, voire la facturation, ou essentiellement liées à la volonté politique? Comment? Comment et alors comment aider les gouvernements Samalou Kondé à offrir de l'eau potable et l'électricité à la population congolaise?
Focus plateau spécial ce dimanche avec JMK à partir de 14h sur Télé 50. Appel à la participation. Composez les plus 243 81 066 34 31. Ne manquez pas ces rendez-vous. Les glissements est-il à éviter ou les glissements y est déjà quand on voit ce qui se passe au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, quand on voit ce qui se passe au sein des confessions religieuses, est-ce que la peur des glissés aura-t-elle la raison d'être? Willy Beaulieu, bienvenue. Merci, bonsoir Kilolo. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50. Bonsoir aussi à ceux qui, malheureusement, par défaut de courant, ne m'auront pas suivi, mais prochainement par la rediffusion. Je leur dis bonsoir. Voilà, bonsoir à tous ceux-là. En fait, Willy Beaulieu, avant d'abord qu'on entame notre sujet sur la désignation des animateurs de la CENI, vous vous intéressez beaucoup plus à l'éducation en République démocratique du Congo. Par rapport à ça, c'est qu'il y a des décisions selon lesquelles il faut fermer toutes les écoles fictives. Et on a eu à dénicher beaucoup d'écoles fictives. Alors, la décision du ministre des tutelles a sa raison d'être. Bon, en fait, merci beaucoup pour ça. Je dois m'intéresser à l'éducation parce que si je n'étais pas formé, je ne serais pas ce que je suis. Okay. Et si je pense que demain, le Congo doit continuer, je dois avoir de l'attention particulière sur l'éducation. Le ministre, je le plains. Oui, je le plains personnellement parce qu'il a pris des décisions et ce sont des décisions qui risquent de compliquer la rentrée scolaire prochaine. Et comment la rentrée scolaire prochaine? Parce que ce sont des écoles fictives. Les soi-disant écoles fictives, il y a des écoles qui ont formé des gens que lui enseigne à l'université. Les écoles primaires qui ont formé des gens que lui enseigne à l'université. Les écoles secondaires, je peux encore comprendre qu'on trouve un mécanisme, parce que là-bas, il n'y a pas de gratuité. Et les gestionnaires des écoles peuvent s'arranger par la participation des parents, ça va avancer. Mais les écoles primaires à travers la République, avec le système de gratuité, je pense, il a encore un peu de temps. Il a un mois ici pour réajuster ses tirs. Alors, parce qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on ne ferme pas ces écoles fictives? Non, non. Les écoles-là ne sont pas fictives. Alors, elles sont comment? Il doit endosser ce que l'État a fait. Jusqu'où, alors? Non, mais en organisant... Mais c'est l'argent qui est de l'État qui est lapidé. Ce n'est pas l'argent qui est lapidé. Ce sont les enfants congolais qui sont formés. Okay. Il faut vous dire une chose, mon frère. Quand on parle des écoles fictives, ça dit que cette école n'existe pas. L'argent sort et puis... Ils découvrent que l'argent sort, l'école n'existe pas. Mais ces écoles existent. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où l'État, parce qu'un principe de droit dit, nul ne peut évoquer sa propre turpitude. L'État a fait fonctionner des écoles, l'État a payé des écoles, mais il y a eu un problème entre des arrêtés ou de quoi. Ça ne nous engage pas, ça n'engage pas les parents. Vous arrivez dans un village qui est à 10 km de là où il y a l'école qui est restée, selon le vœu du ministre. Mais à 10 km, il y a une école qui a fonctionné, les enseignants sont payés, on appelle cette école-là fictive. Conséquence logique, on va fermer. Donc vous voulez dire que vous, Kilolo, tel que vous êtes là, vous pouvez envoyer votre enfant de 5 ans, de 6 ans, de faire 10 km pour aller à l'école primaire? Non, mais moi je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit arranger. Je n'en veux pas au ministre, mais je veux qu'il se rende compte d'une chose. En voulant mieux faire, on peut détruire. Parce que j'ai appris, je le vis, un meilleur charpentier, menuisier, qui a pensé qu'il faut bien raboter sa planche. En voulant bien raboter, il a rendu la planche épaisse. Conséquence logique, elle est devenue fragile. Voilà. Un petit mouvement... Elle s'est cassée. Voilà, mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, le risque est qu'à la rentrée scolaire prochaine, que ça barde. Comment? Et si ça va barder, il fut mon collègue comme député, je n'aurais pas pitié de lui. Parce que entre les enfants congolais et lui seul, je crois, il n'y a pas de choix. Voilà, il n'y a pas de choix. Voilà. Revenons à notre sujet. La désignation des animateurs de la CENI,
Aujourd'hui, ça bloque, la machine est grippée. Tout ça parce qu'il n'y a pas la bonne foi de vous, politiciens. Willy Beaulieu. Oui, il n'y a pas de bonne foi de nous, politiciens, mais il faut séparer ces politiciens, mon frère. Il ne faut pas que je vomisse de l'huile à la place de quelqu'un d'autre qui a mangé la noix de palme. Oui, mais parce que vous voulez tirer des ficelles derrière cette situation. Soyons conséquents. Je ne veux pas aller dans la théorie des gens qui ont fait les sciences économiques, qui disent que toute chose est restante égale par ailleurs. Mais moi, je vais aller dans le système de l'arithmétique teké. Voici ce que disent les bateques dans l'arithmétique. Si le chiffre 7 est mauvais, n'adopte pas 3 plus 4, parce que la somme, c'est 7. N'acceptez pas 10 moins 3, parce que le reste, c'est 7. Donc, on doit éviter tout ce qui peut vous ramener à 7. Cela veut dire quoi? Hier, Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, les confessions religieuses se réunissent. Ils envoient la candidature de Ronsard Malonda. L'Assemblée nationale prend, envoie dans une commission, et puis on entérine, on envoie chez le président de la République, l'ECC et l'Église catholique saisissent le président de la République pour dire, selon nos normes, c'est l'Église catholique qui est présidente. C'est l'ECC qui est vice-présidente. Donc, n'acceptez pas ça parce que ça a violé la procédure. Et le président de la République n'a pas hésité. Il soutient l'état de droit. Et l'état de droit, c'est le respect des normes. Il a dit non. Il a écrit à Mabunda pour dire, écoutez, la désignation là n'a pas respecté les normes et je ne le fais pas, je vous retourne. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la même hypothèse. Les six qui avaient soutenu Ronsard Malonda, c'est là où à un moment donné on doit se poser des questions. L'église catholique et l'église protestante n'ont pas soutenu Ronsard Malonda. Les six qui avaient soutenu Ronsard Malonda, ce sont les six qui soutiennent encore celui qu'on présente aujourd'hui. Denis Kadima. Mais je crois que nous, Assemblée nationale, on ne doit pas donner du travail au président de la République. Mais déjà, Assemblée nationale, la commission paritaire, vous avez entériné la candidature de Denis. Je ne veux pas entrer dans les guéguerres de cette histoire de commission paritaire. Encore que le Congo est devenu ce qu'il est devenu. Je ne dois pas parler à la place des autres. Comment il est devenu? Parce que je ne sais pas qui est membre de cette commission paritaire. Comment il est devenu ce Congo? Le Congo est devenu ce qu'il est devenu dans ce sens que la majorité était FCC et Cash. Elle a changé, elle est devenue Union Sacrée, créée sur les ondes ou bien sur le rêve d'un pape qui est venu infliger ça, c'est devenu. C'est ça ma crainte aujourd'hui. Peut-être dans la commission paritaire, il y aura aussi le même mécanisme. Dans ce sens, moi je suis FCC. Je sais qui engage le FCC. Qui a envoyé la liste des membres du FCC pour siéger à la commission paritaire? Pour qu'elle soit paritaire. Si cela n'est pas le cas... Donc ceux qui sont là... Je ne sais pas s'ils sont là. Je ne dis pas qu'ils sont là parce que je n'ai pas la liste. Mais j'ai dit ceci. Qui aurait signé la liste pour envoyer le nom des membres de la commission paritaire pour le compte de FCC? Si la liste était signée, effectivement, je vais dire oui, ok, c'est fait. Mais bon, ça dit, m'engage. Il y a la commission paritaire qui est là. Les postes réservés à l'opposition sera toujours là. S'ils ne veulent pas venir, ça sera toujours vacant. Au cas où ils y reviendraient, ils vont occuper leur poste. Entre-temps, la commission évolue. Mon frère Kilolo, voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui. Oui. Vous voyez le fleuve Congo qui passe autour de nous? Il commence à Lualaba. Ce fleuve-là traverse plusieurs provinces et finalement sépare nos deux pays, avec Congo-Brazzaville, jusqu'à l'océan. Si même nous, là où nous sommes sur Télé 50, si nous sommes à l'aise pour parler, c'est seulement parce que l'eau respecte son lit. Peu importe les méandres, l'eau accepte de courbir. Voilà, vous êtes trop adage. Je vais m'expliquer. Ne vous en faites pas. Okay. L'eau accepte de courbir jusqu'à se jeter à l'océan. Le jour où, à partir de Maluku, l'eau va préférer les raccourcis, ne plus chercher de courbir, traverser de Maluku directement à l'océan. Même toi et moi, nous ne serons pas là où nous sommes. Et cette catastrophe
naturelle, même les Nations Unies ne supporteront pas. Si nous vivons, c'est parce que l'eau respecte son lit. Je veux dire quoi? Si nous voulons que ça marche bien au Congo, acceptons de respecter les procédures. Peu importe leur lourdeur. Parce que c'est nous qui les avons acceptés. Oui, mais parce que le président. Le problème que nous avons maintenant, c'est quoi? Le président de l'Assemblée nationale a trouvé qu'il y a vraiment de la lourdeur, de la léthargie. Ça ne dépend pas de ces images. Non, il faut retenir une chose. Il faut aller vite. Le Congo ne dépend ni des images du président de l'Assemblée nationale, ni de son désir. Mais vous tenez à l'organisation des élections. Ni de son vouloir de plaire à qui qu'il veut. À bonne date, non? Non. Attendez. Pour le faire, l'Église catholique et l'Église protestante, je ne suis pas leur avocat, entre nous, je suis en train d'observer la réalité. Les deux églises sont les seules responsables pour engager les confessions religieuses. Si elles n'ont pas signé, ils disent qu'ils n'ont pas signé. Mais toi, président de l'Assemblée, tu acceptes de recevoir. Mais on doit se poser la question. Si pour entrer au paradis, il faut passer par Jésus-Christ, on vous amène Bolio comme le meilleur porteur de gens, tu commences à les faire entrer au paradis. Tu crois que c'est normal? La procédure voulait que ce soit l'Église catholique et protestante. Je sais qu'entre eux, il y a des divergences. Énorme. Parce que l'Église n'est pas sainte. Il n'y a que Dieu seul qui est saint. Oui, des divergences. Les animateurs des églises ont leurs intérêts, ont leurs vouloirs. Tant mieux. Mais pour l'instant, on tue les serpents avec les bâtons qu'on a en main. Les bâtons que nous avons en main, ce sont les statuts et le fonctionnement des confessions religieuses. Ce qui fait que logiquement, avant d'aborder tout ce que nous pouvons aborder, on doit respecter quand même les normes des confessions religieuses. Si l'Église catholique n'a pas écrit, si l'Église protestante n'a pas contresigné, je crois. Mais ils sont minoritaires là-bas. Ils sont minoritaires, alors que les autres églises indépendantes, les églises des réveils sont majoritaires. Je vais vous dire une chose. 6-2. Je vous démontre une problématique. C'est quand même un déséquilibre. Je vous démontre la problématique de la minorité. Quand le président Tshisekedi vient de signer les ordonnances pour nommer les gens dans les forces armées et la police, il est plus nombreux que les Congolais. Faut me dire. Non, ben parce que la loi... C'est parce que la loi a voulu que comme institution, c'est lui qui engage. OK? Et alors, un homme, si court soit-il devant ses droits, il devient plus géant que tous les géants. Donc, si l'Église catholique et l'Église protestante, vous les considérez minoritaires en termes de nombre de 8 sur 6, mais c'est à eux qu'on a donné la signature. Commencez d'abord par modifier la signature. Moi, je ne suis pas contre que ce soit les autres là. Et d'ailleurs, je serais même tenté de dire comme député, est-ce qu'on ne peut pas poser la question pour revisiter les lois sur l'acceptation des églises? Monsieur Bolio, vous êtes député, ça ne date pas d'aujourd'hui, vous en connaissez un peu, il y a eu une jurisprudence. Tous les présidents de l'Assemblée nationale, en fait de la CENI, ont toujours été votés sans l'Église catholique et les CC. Non, attention. Il ne faut pas me dire des choses que je n'ai pas prédites. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, maintenant là. Ils ont été désignés ici. Voici la problématique. Oui. Nous voulons que le Congo change ou bien qu'il demeure le même. Si la tuberculose est mauvaise, doit-on embrasser la trypanosomiase parce que c'est une nouvelle maladie? Qui doit dire que parce que Ebola était mauvaise, il faut embrasser la COVID? Si vous me dites que non, le fonctionnement là avant n'était pas bon, je m'excuse. Et alors, on doit accepter le nouveau mauvais fonctionnement? Oui, mais lorsqu'ils trouvent qu'il y a un retard et qu'il y a certaines forces qui tirent les choses en longueur. Et le retard qui est causé par qui? Il y a certaines forces qui tirent les choses en longueur. Alors, voilà ce que je vais vous dire. Si vous voyez un rat venir voler les cacahuètes dans votre maison, ce rat-là est en intelligence avec la souris qui habite la maison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voyez les confessions religieuses séparées, un groupe se sépare des autres. Un groupe 6 contre vient, ce n'est pas le nombre, c'est celui qui engage.
La ville de Kinshasa est engagée par le gouverneur Gentil Ngobila. Vous allez me dire que parce que sa taille, sa beauté et son honneur, c'est plus que la majorité des citoyens. Mais la loi lui reconnaît que c'est lui qui engage. Donc, si on reconnaît que c'est l'Église catholique et l'Église protestante qui doivent engager, votre nombre là ne signifie rien. Je vous ai donné le cas des ordonnances que le président vient de signer. Déjà, quand on est toi et moi, nous sommes nombreux que le président seul. Mais puisque lui, il a ce statut-là, il doit le faire, on accepte. Oui, parce que déjà, le président de Christophe Mbosso a promis qu'il y aura une plénière pour parler de cette situation. Et vous, en tant que député, qu'est-ce que vous allez faire comme veto? Il n'y a pas un problème de veto, mais il faut retenir d'abord une chose. Quand vous avez un conflit avec les sangliers, ne soyez pas erré d'aller porter plainte chez le cochon. Parce que le jugement serait déjà prémédité et connu. Si le président Mbosso peut se considérer comme réellement président de l'Assemblée nationale de la RDC, il doit se dire, quand on souffre de gales, on demande conseil au lézard. Parce que le lézard va te dire qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour qu'il continue à supporter les caprices des gales. Qu'est-ce qui a fait que Malonda ne passe pas? Si la raison qui a fait que Malonda ne passe pas est la même pour Kazadi, le président Mbosso n'a pas besoin de charger le président. Nous ne voulons pas que le président Tshisekedi soit devant un conflit et la loi et la population. Parce que la situation est encore à notre niveau. Laissons le président Tshisekedi tranquille. Que le président Mbosso se serve de la lettre que le président Tshisekedi avait adressée à la présidente Mabunda pour dire que n'ayant pas eu le consensus, n'étant pas présenté par ceux qui sont habilités à présenter le candidat, je ne peux pas signer. Si le président Mbosso se rend compte de ça, il va dire, épargnons le président Tshisekedi qui est au-dessus de l'armée, de se mettre dans des soupçons. Parce que là, ils veulent mettre le président dans les soupçons. Parce que quand ça va passer, vous savez, à l'époque, une majorité a accepté d'entériner Malonda. C'est le président qui a retourné. Devrait-on mettre le président à l'épreuve pour dire que bon, on entérine encore celui qui est contesté pour que le président retourne encore? Moi, je pense, par sagesse, il faut éviter de placer le président dans une telle circonstance. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, M. Beaulieu, vous allez accepter les glissements de 2023 parce que déjà, les plats sont déjà servis pour parler certainement du glissement avec tout ce qu'il y a. C'était prévu en 2020, en avril, on a dû reporter, c'est en 2021. Le même scénario de 2020 s'est reproduit en 2021. Bon. Et selon les experts, pour organiser les élections, il faut au moins 3 ans avant. Nous sommes en 2021, donc d'ici là 2022, s'il faut les bonnes élections, probablement peut-être 2024. Bon, voilà, il y a un problème, mon cher ami. À un moment donné, je me rends compte que les Congolais aiment être hypocrites. Je suis désolé, la politique a été définie par l'homme de la rue comme l'art du mensonge. Dans les quartiers, à la maison, quand un enfant ment, les parents commençaient à dire « Ah, moi, nous, on a la politique, mingi. » Ça dit que c'est un menteur. Mais j'ai appris que la politique aussi était une science, parce que je l'ai découverte comme ça. Je ne peux pas admettre qu'on façonne la politique sur le mensonge. La réalité aujourd'hui est que hier, c'était FCC qui bloquait. Qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, c'est FCC qui bloquait. Et pour éviter le blocage, on a débloqué. OK? Vous savez que vous pouvez interdire à un serpent de rouler lorsqu'il est en cercle. On va dire que peut-être il est mort, il ne peut pas rouler. Mais lorsque le cercle du serpent est déjà délié, comment le serpent n'avance pas? Ça, ce n'est pas à bon lieu de dire qu'il y a glissement ou pas. Mais la vérité est que le glissement est programmé par cette majorité. Par cette majorité. Qui n'est pas prête à aller aux élections. Non. Moi, je dois vous expliquer comment c'est pas cette majorité. Okay. Aujourd'hui, on amène le conflit sur la CENI. Ce n'est pas l'opposition. L'opposition a quelle arme aujourd'hui pour désarceler cette majorité?
c'est la majorité qui doit le faire. Si la majorité n'est pas à mesure de faire avancer les choses, vous voulez chercher d'autres blocages? Mais seulement, je vais dire ceci aux Congolais. À cette même majorité, que celui qui est par terre voit bien la position pour bien couper le régime de noix de palme sur les palmiers. Mais celui qui est là avant de couper, il doit tenir compte de sa propre position pour éviter que le régime tombe avec lui au sol. Hier, cette majorité d'aujourd'hui croyait que les démons, les diables, l'enfer, c'était Kabila et les FCC. Aujourd'hui que Kabila et FCC sont en dehors, on veut dire que les démons, les diables, ce sont des églises qui doivent nous prêcher comment aller au paradis. En le faisant, sommes-nous conscients que nous sommes allés en guerre contre l'arbre qui nous a sauvés contre le bif? Parce qu'il faut se dire aussi, hier, pour se sauver contre le bifle qui était le pouvoir Kabila, on se servait de ces églises. OK? Et aujourd'hui, on s'est dit, bon, parce qu'on est déjà à la fin, ces églises deviennent inutiles. Bon, je ne peux pas entrer dans la bataille. Merci. Mais que ces églises se rendent compte qu'elles sont généreuses comme la forêt. Ces églises-là ont donné la manche à la machette et à la hache, comme la forêt avait fait. La forêt a eu pitié de la machette et de la hache qui était inutile sans manche. La forêt leur donne son bois, et lorsque la machette et la hache ont eu des manches, on a déboisé toute la forêt. Donc ces églises doivent se rendre compte qu'elles se sont allées se cacher dans le fleuve contre la pluie. Merci. Merci beaucoup, Willy Beaulieu, de votre passage. Voilà, nous allons recevoir un autre invité, c'est tout de suite. Mais je peux dire un mot de la fin au Congo. Allez-y, quelques minutes. Même en seconde, je vais dire ceci aux Congolais. Aujourd'hui, Congolais, méfiez-vous de la beauté du ciel. Parce qu'elle est gâchée par les nuages. Et ce que je dis maintenant concerne et le président de la République et les partis de l'opposition. Tous, nous devons savoir que la beauté du ciel est gâchée par les nuages. Tout le monde aime, aspire à la beauté du ciel, à sa couleur qu'on appelle bleu ciel. Mais lorsqu'il y a des nuages de pluie, personne ne dit que le ciel est bon, est beau. Tout le monde dit l'icolo est baby. C'est-à-dire quoi? Ce sont vos acolytes à vous, les acolytes du président, les acolytes des animateurs de l'opposition, qui gâchent vos beautés. Conséquence logique, ça nous détruit. Et alors, Congolais, soyons prudents. Nous accueillons nos chefs avec des rameaux en main. Mais autour des rameaux, il y a des épines. Les épines, là, ne vont pas piquer les chefs que nous acclamons. Les épines, là, nous piquent, nous. Quand les chefs passent, c'est nous qui aurons des blessures sur nos mains. Et alors, soyons prudents. Alors, président de la République, président de l'opposition, voyez le Congo comme le seul avantage. Méfiez-vous de la flatterie de nous tous qui sommes autour de vous. Parce que le moustique est mort des applaudissements. Quand les gens ont acclamé, le moustique a cru que c'était pour son honneur. Et quand il est entré entre les deux mains qui acclamaient, le sort du moustique était réservé là où il ne pouvait plus voler. Merci beaucoup. Merci aux Congolais de comprendre merci, pour que le Congo avance. Merci, Monsieur Willy Beaulieu, surtout de votre passage. Trésor Momba, c'est tout de suite.